responsable de la mort tragique de sa fille. À la fin de chaque rencontre, je vais vous remettre la carte mémoire de la captation de l'entrevue après l'avoir enregistrée sur mon ordinateur. Hostie, je suis donc le thème de la fonction enregistrement sur mon téléphone. Vous avez la protection. Regardez à l'autre. Je m'engage à vous faire approuver l'article avant publication de la revue d'enquête. Ça me convient. Je suis pas d'accord qu'on soit parti. Peut-être que Rabot les a menacés de casacher. Mais rapport à la police, c'est pas tous ceux qui sont menacés qui appellent la police. Ils brûlent notre plan-poire! Sur les terreaux, on est brûlés! Il y a quelque chose à ta mère ou à ta soeur. Chut. Ok. Donc, je vais juste avoir un cul de police. On va fouiller les culs pour voir pas les gens. Je suis marre de comprendre. Des affaires pour régler. Bienvenue à l'enregistrement de tes assurances, s'il te plaît. Sur bon. Fais un poche, je tue pas ta mère. Vous avez soumis un procès devant un jury, vous avez été détenu 11 mois pour finalement être acquitté. Comment avez-vous vécu le processus judiciaire? Au début, j'étais frustré d'avoir été accusé à temps. Mais 11 mois, c'est long. J'ai fini par accepter que j'avais juste été très malchanceux. Vous savez, quelque part, on est un peu victime du même événement que vous et moi. Je ne crois jamais une victime aux yeux de personne dans cette affaire. Est-ce que je peux vous poser une question? Que vous vous êtes senti? Que vous avez appris que votre fille était bien avec la fille ou pas? Non, c'est elle qui pose les questions, donc je réponds. Je sais que Gabriel a reçu cette coupe.